2024. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa, Tokutani, Nadejé Nabino, il y a chaque matin rendez-vous des auditeurs pour parler Congo, dans les différentes facettes, vous allez disséminer à travers quatre coins, il y a capitale Kinshasa, Libanais, Mboka, vous allez quoi, Nabiso, na YouTube, CCTV Ralik officiel, à travers la République, dans les différentes stations Radio Liberté, vous allez quoi, Nabiso, en direct à ces moments, vous voyez, une émission justement au Zambé, à la 40. Rendez-vous des auditeurs, un seul sujet au cœur. Yamasolo, Nabiso, Yamokolo, Yalelo, organisation des élections en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut Totikakaka Seni à Lengela pour organiser Biso Maponami ou tout envisager organisation d'une élection par le ministère de l'Intérieur, Nengue Salama sous d'autres cieux, la prochaine joute électorale aux années prévues 2028 en République démocratique du Congo, CENI, Atikala, tout passé par le ministère de l'Intérieur. Publication, il y a gouvernement, j'ai dit sous-minois, vous savez que c'est un mécontentement, ils allaient qui mingi après sorti. Il y a gouvernement, mon Kondiambo, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a s'il est changé, mon colo, il y a lobby, na président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a sorti justement, il y a cette audience, Vital Caméré, a assuré aux uns des autres la représentativité hein, dans le gouvernement, il y a province, il y a Maniema, ou Bamouna qui était, bah, Zangaki, Nakati, il y a gouvernement, Gilit Souminois, mais également à Zali, qu'on prévoir tout, bah, assurance, quand il y a investiture, il y a gouvernement au-delà, bah, pétition de part et d'autre, une pétition contre une pétition qui soutient l'investiture du gouvernement. Vital Caméré assure que d'ici le 10 ou les 11 de ce mois de juin, il y aura bel et bien présentation du programme. Il y a gouvernement, oui, cause à la suivi, na investiture de ce gouvernement, j'ai dit soumis, ou bah, côté en action, et puis tout. Zengelato, Gégé Bango, Nassan, en premier jour, on en parle avec vous, au Lanarabiso de partout à travers le monde, mais également avec nos invités déjà ce matin, tous allez maître Yannick Vumbi, Ozali, porte-parole RCN, ce parti politique, cher Justin Bitakwira, de quoi Yannick Vumbi, votez là. Bote Maxime, bote na ba co-débatteur, bote na ba Congolais, nyon sur Lanarabiso, na TV, na radio, bote na ba Mapinga. Passion sur Bazali, Motena, Mwana Mboka, un des nôtres, l'honorable Mike Mukebay. Mike Mukebay Nkoso. Beaucoup de courage, cher grand frère, vous êtes un garçon très intelligent, votre place n'est pas là-bas, nous continuons à nous battre. Obima, c'est une liberté pour joie, et nous continuons à demander cette liberté pour joie parce que toutes les conditions sont réunies. Hein? Résidence Kony, sa foutre n'est pas à craindre, un monsieur intelligent, brillant, sa place n'est pas en prison, place n'est pas dans l'émission, dans l'hémicycle. De toute façon, c'est un garçon intelligent. Invité pour un ibochaye, député Ouassara, Mankele, Ouassara, va informer, va tikaye, mais moto à ça, il aurait été bakangi. Moi, personnellement, ça me fait mal. Oui, espérons que. Espérons que l'honorable Mike Mukebay, à cause de la libérer. Tous allez na Ndeko Cédric Ndombi, l'un des coordonnateurs Asbel Congo Lobby. Congo, il y a lobby. Bote na Ndeko. Cédric Ndombi a pris un long moment d'absence, hein? Il va dans un mot qu'à l'eau, tous allez dans la radio de l'auditeur. Ouais, un mot de Maxime, mais moi, rectificatif, mon Kéza Congo et à l'obité, mais l'obi à Congo. Il y a Congo, et puis, au début, tu s'inscris toujours dans un mouvement politique non aligné. Tous allez dans les Cambouna, mon Toté, et moi, tous allez profiter que tombe la Mbotama et la Mouna. Mon Konzambo Kanabiso et à Kalan, de Joseph Kabila, donc qui est le Zali Mokola Mokola. Kota Zalin Zambia Mounae, après ça, c'est le bon numéro Yakongo. Et puis, Mbote Nabatonio, Sotoroka, Toroka Bola, Makantina Tonga. Merci beaucoup, Tozalina, Maître Jean-Pi Galula. Maître Jean-Pi Galula, analyste politique. Mbote Naon de Ko Jean-Pi Galula. Mbote Naon de Ko Maxime Elongo, Tikaninga et Natombela. Le président honoraire Yambo Kanabiso, Excellence Joseph Kabila Kabange, les doctorants en apesio mbote sikezali uzwami, mbota maela monayo, ba imbo kabako kanisa yo,
Bayimbo kaba komi ko senga Félix Tshisekedi azongi satambo ke sika otikelaki lokola kokina e makambote to banzi ete e siko zali sepela malamo vana na kimia. En tout cas, joyeux anniversaire et sukozali. Et puis na pesi ba prisonnier ya ndolo la bisagingai ke ozolo bela bangote ba prisonnier ya makala ba lobi ozolo bela bangote kana bangozo kipete ba prisonnier nyonso eska na tamboli bazo kolela même ba o ya bandundu ba kolela ba lobi yebisande ko Maxime tolanda kai kasi acha kapeli lo bana bakana biso donc on yo comment to ko kufa ba dossier bloqué ba magistrat ba kipara biso te ba jugement vana nango donc de ko Maxime ba prisonnier. Merci beaucoup Senayo olobela rapé bango Jean-Pierre Ngalula tout ça du cœur Nabino Debieter pour le naka rendez-vous des auditeurs et ça l'a été beau changer ba comportement pour ça les sous objet na qui na arrestation on té de ko Paulin Mumba cadre Union du Républicain cher Norbert Louyeye. Dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba jusqu'au boutiste. Mote non de ko Paulin Mumba. Mote de ko Maxime. Mote na ba autre kabola na bangoli solo na tongo ya lelo. Mote na ba onyos basona na biso na bandaku. Mote na bande ko na biso ya niveau ya est mingi mingi na kanya mayonga. E bana na biso oyo ba délocalisé na examen na bango esali makelobi. Tout ça de cœur na bango, tout ça kobunda, ndenge nini, kime, kwe kosonga, na bisi kabino, bozali, mote na ba oye nyonso, ba tika bandaku na bango, bilanga na bango, ba dola leo la, sui ya babash, yenu sa la pasi, mote na yemoko, mwana mboka Norbert Louyeye, l'homme constant, pe mote na membre nyonso, nous les républicains, parsemé dans les quatre coins du pays, pourquoi pas dans le monde. Merci beaucoup, Ndeko Paulin, Mumba 082, 33, 33, 749, 082, 33 33 à 749, les numéros, vous avez vu qu'on a vu, nous reparticiperons en direct à cette émission. Rendez-vous des auditeurs. Voilà, Nengue Tradition, exerce une minute. À sujet isolé, à chaque invité, tu vas nous mettre Yannick Vumbi. Merci, Maxime, pour la une minute. Nous allons répondre à la question sur Bélé. Ça fait un bon moment de la question sur Bélé. Vraiment, même quand je passe, je suis là, je tourne en haut. Effectivement, la zone, moi, parce que l'élection est le cas que nous n'avions pas été élus. Totalement bateau, bafonaki, tout ce qu'elle va nous charge, mais qu'un peu pour le bas. Mais visiblement, ils sont aux abonnés absents. La population est aussi toujours tout continuer pour le bela. Ce qui est vrai, les gens m'ont belé au salamakuna que moi je ne peux pas cautionner. C'est une communauté prison à ciel ouvert où on arrête des jeunes gens. Parce qu'il y a la tissée, parce qu'il y a un amour caché dans les autres. Par contre, côté avec ma bande, on m'a même envoyé des images troublantes. On m'a continué à dire que je papa, moi, avec un prétexte, je suis colonne. Mais curieusement, c'est faux. Par contre, quand on a un mineur, il y a 13 ans. Conséquence, ces années sont OK. On a opération panthère noire. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Et c'est vraiment une prison à ciel ouvert. Alati singlé, alati coupé ne kiti boe ba kangie. Ben fonction exacte. Ce qui ok na ba to bazo ki ndeko sala ba même certains avocats ba benga kinga. Il y a même pas des actes de procédure ba kanga mutu na tongo. Ti lobe alali ba sambi siete tongo ya boe o pesa biso 200 000 pesa biso 50 000 ça je condamne. Mais il faut dire aussi na population na biso. Na lobe le mo même na ouvrage na nga la théorie de la constitution mentalité. Nous sommes allés au vote, tu es dans ma idée, tu es dans mon côté, les gens ont refusé. Maintenant, Batou Bovodaki, regarde comment ils vous abandonnent. Mais vous imaginez, moi, Yannick, Mama Kambouana, je vais écrire, on va organiser des procès, des audiences foraines. Pourtant, même Batou Nabati Kamabe, Batiki Binoga, Balobé, Rabino, de façon à la paix, action, car Koliambo, Koliambo. Mais maintenant, c'est à nous que vous avez bien, vous pouvez être mandaté, mais vous avez bien, en Nyonso. Par moment, je vais vous dire, même dans Moussala, il faut Yamba, donc, soit Yambite, aux Amabé, soit Yambi, aux Amabé, donc, je ne comprends plus rien. Mais Bakonambo, Rabatala. Qui sait ça, c'est ça la quine. Merci. C'est la prison à ciel ouvert, c'est quand même un jeune innocent. Merci. C'est quand même inacceptable. Maître Yannick Vumbi, Maître Jean-Pierre Ngalula. J'appelle les chefs de l'État, Ngana Lobela Ramingye, les garants du bon fonctionnement. Pambate, ce qui chef de l'État, Kambimbo Kamalamo, Bisopeto Gozara Malamo. Monsieur le chef de l'État, Esiko Golandangaï, à ce jour, Kabila Salaka, 1 plus 4, Yosali, 1 plus 6. Mboke kambami na volonté ya 6 personnes ba capricier ya union sacrée ba frustré ya union sacrée
ba komi ko déduire ba kana na bango na bosoto na bango sur le bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Chef de l'État nzela ya kobanda mongata ti bandundu ville tala ndenge na zongi maladi nzoto pasi. Certes, il y a des barrières, mais ba barrières wana pe na mulili nzelele ki mabe. Bino ba leader ya bandundu sika boko landangai. Bozi ba poste belé musala na bino ka ba yombo na mutu koluka kozonga ba gene libido exagératoire bosundo la province musala na bino banda kuna moni ya ba politicien congolais na bandundu. Siko sabali ga. Na mawa. Ba kizo. Soko na lakisi yo. Na mawa. Bandundu eza abandonné. Chef de l'État kanisa kosalela bande kwa bandundu nzela. Kanisa yo moko monga tati bandundu vile. Ça ne va pas bole kana bazamba. Il faut 2 jours, 3 jours pour bokoma bandundu vile. Souffrance extrême. Chef de l'État ou abandonné mboka na volonté ya bato yo. Ou abandonner mboka na volonté ya bato nde bako kamba mboka tozo kamba malongo bana volonté na bango mboka eza bloqué frustration na frustration tala ba député ba lobby bako kene na bango te bako saboter investiture maintenant ko senga na yo prenez vos responsabilités loko la chef de l'État. Merci beaucoup. Prenez vos responsabilités. Merci beaucoup. Dans le cas contraire démissionnez calmement. Merci beaucoup maître Jean-Pierre Ngalula ndeko Cédric Ndombé. Ndeko Maxime, toza ko benga na gouvernement oye koza la investi incessamment, ba tiali sou na bango particulier sur situation ba déplacé à Nord Kivu. Ndeko Maxime, na maïna miso neto le kaki na camp de déplacé à Kanyaruchina, ya Lushaga la pou ya Boulengo kuna mawa na miso. Population congolaise azali abandonna son triste sort. Maya komela ya malamu izalite. Et le quoi qu'on a les alités, bah condition basali qu'on traversait dans vraiment na ébité ce qui bah cambina biso na assure comme c'est le moment où bah qu'on pèse biso programme ya gouvernement na bango bah mais qu'un peu qu'on insérer programme ya bah déplacer des guerres parce que ce sont des Congolais les sous na bango bah ça les alités pas basa bah Congolais situation où basa qu'on traversait c'est inhumain. Il y a un autre sengi na oyo à cause à la bonne responsabilité à affaire humanitaire et sociale. Ah si la koupoa kali souci le condition de vie ya va déplacer à Nord Kivu. Et pour aider dynamique lobby à Congo où ils ali bongo mouvement non aligné Carrefour ya bana nyoso ba perdre espoir na Congo incessamment ce sous toko ben abino ba congolais boya to pesa bino position parce que toza sou na tango o toko za sou ba non aligné té. En tout cas, la situation identifiée là. En tout cas, on doit s'identifier parce que Mbele et Kiming. Tu vois ça qu'on peut biso de l'Ouest. Donc, Nabami Kilino, ce même biso. Situation à Congo des Ali Kokende. Ce qui neutralité la vie et continuer, et ça le quoi vous accomplissez devant lui. Merci beaucoup. Donc incessamment, vous serez invité, vous, Ndeko Maxime, Nama Pandisangonio, c'est un boka, pour pouvoir baba non aligné, de renava bako là ta casquette. Position autour la majorité. Position autour la majorité pour Sarah Ramboka Biso et là. Merci beaucoup Ndeko Pole Mumba. Merci beaucoup Ndeko Maxime. Nayebi ke ba Congolais o ba mesana ko kolanda biso na ba télévision pe ba radio, ba mesana ko zo ba information ya sika ko tala ete ndenge absence na biso il y a de cela 2 semaines à niveau ya télévision. Ils allaient une cadre ya stratégie d'abord il y a parti. Pourquoi? Parce que depuis le mois passé mon amboka na obel il y a cela qui déclaration politique. Je crois que les 12 mai Oyo apesa ki a cela qui va proposition pour en sortir de crise Oyo mboka na biso ezo ko traverser et tout tika ka temps pour que le régime tous les pouvoirs en place va quoi ko analyser ma proposition ya nous des républicains. Dieu merci que Nicolas Utikoleka parmi les propositions Oyo mboka na obel ya cela qui ya ko l'accent de ko Félix était makambo itali accord en Nairobi ko meka ko appliquer ya ngote. Sinon, tu es au la balabala, peu au cousin l'anniversaire et belé, entre autres, ma maï maï n'a pas voisin l'endou, ma koubaluke la yo, parce que accord et à Nairobi, ils ont besoin de ça. Il a la pause. Nègre, moi, n'a pas de belé à tel secteur que comme mec à quoi appliquer, parce que Laurent Désiré Kabila est passé par cette voie. Tout boy, ma kamouana et se répéter, parce que accord et à Nairobi, ils ont là qui cahier de charge, et le cahier de charge, et recommande accord et à Nairobi, comme mec à quoi appliquer à côté. Ne place tout cela qui proposition que seule voix Oyo, tu aurais qu'on décanter situation,
on a raté un bon abisso, c'est le dialogue, pas n'importe lequel, mais il était l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi? Parce que ils ont conseillé la réconciliation nationale des Congolais. Merci beaucoup, Ndeko Paulin, Mumba 082-33-33-749. Les débats est lancé. Maître Yannick Vumbi, sur cette question, il y a Maponami. L'ongé Maponami à 2023, tous allez coprojecter Maponami pour 2028, bah il politique, bah allez déjà au Bongama. Les lots questions où allez taboter les esprits de plus d'un Congolais. Est-ce que na 2028, il faudra tout maintenir, sénir et organiser Maponami tout au comme la Bambokamoussou, au ministère intérieur, allez habiliter et organiser. Maponami, est-ce qu'on regarde la situation, le contexte actuel, il y a beaucoup d'abisso et qu'on a la plausible que le ministère et intérieur a joué organisation à Maponami pour la crédibilité, transparence, il y a l'élection. Merci. On peut s'en combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Bien. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais comme déjà, on peut s'aider dans là. Bon, on a vu que dans les cas de la chaîne, il y a ma psyché belé, dans le Bela. On voit généralement c'est la problématique de l'extraversion de la constitution du 18 février 2006. Là, je suis en train de faire pour M. Bélé et puis, on a fait une suppression de certaines institutions jugées budgétivores, notamment Sénat, CENI également. Et je me réjouis aujourd'hui, c'est partout où je passe, en, en réalité, bah, comment comprendre. Alors, pourquoi j'ai demandé qu'on puisse supprimer la CENI? Ça va faire 4 législatives tout ça dans la CENI. Mais pour des résultats décevants. Souvenez-vous, en 2006, à cause de la CENI, nous avions eu un affrontement violent à Kinshasa. D'une part entre les militaires qui étaient proches à Kabila, d'autre part proches à Jean-Claude. Et il y a eu des morts dans ce pays, toujours à cause de la CENI. En 2011, quelqu'un s'était autoproclamé président toujours à cause de la CENI. Et vous connaissez la violence. En 2018, chanson Moyaka, président élu, toujours à cause de la CENI. Mais les gens évitent les vrais problèmes. Pourquoi ma créa CENI? Moi, je suis cherché en droit parlementaire. Je peux vous dire, CENI Zara n'a pas voté. Et ça, presque dans le pays belé africain. Et je connais même les blancs qui a donné cette idée. C'était une très mauvaise idée, mais parce que c'était na mitou ya batou. Quand il s'agit d'être qui est commis ma solution. Mais déjà à l'époque, probablement ma solution était. En fait, l'élément moteur, oui, c'est ça qui va créer CENI, c'est la confiance. Babiso Itotiki, ministère intérieur, a organisé l'élection. Parce qu'il est presque mon juré. Prenons l'exemple aujourd'hui. Est-ce que Peter Kazadi a vraiment publié Moutoumoussou, craint sa baptise? Or, la logique, ce n'est pas ça. Le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur n'est pas le président des élections. Lui, il ne vient que constater. Bah, tu vas comprendre que bon, l'administration va créer. Exactement. Va créer CENI. Habito tcha opposition, majorité, vous avez entendu même un concept créé, c'est la dépolitisation de la CENI. Dans le Bangwa, ça n'a pas de sens. Alors, CENI, au-delà du fait que tout Bangaki, ministère et intérieur, pour la crise de confiance, mais est rattrapé Bissot. De toutes les façons, combat nous tous en Nango, ce qui est pas où nous sommes rapproche à pouvoir, confiance, c'est à l'encarté. Et puis, conséquence, les gens boycottent les élections. Mais je vous rappelle, nous dépensons plus d'un milliard. 500 millions ou 200 millions pour les élections. Pour les quelles? De quelles élections? Et même Arabie Saoudite en a bas division par contestation. Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à la CENI? Moi je dis non. Ça va faire 4 élections. Donc pour la CENI sous soutien la 2028. Non, il faut supprimer la CENI. Il faut la supprimer. Ils ont répondre n'a pas exigence au barizona qui contient en place cité. Toki maki mbele barabo kimi mai na ebalé. Au moins sur imboula ebalé. Donc élément confiance et Zara raté. Or, ce qui est aussi une attribution à un ministère et intérieur, ça c'est la plus grande crainte à Batubele. À part ça, on a dit même ancien premier ministre, ça là qui est en position, il y a le but au PCNO, de combattre la peau. Matata Pono, le but au PCNO, strictement international à Girango. Quoique je ne peux pas accepter une telle proposition, mais au moins il est d'accord avec moi qu'il faut supprimer la CENI. Ça c'est déjà un acquis. Alors, il faut tout supprimer en mot pourquoi? Parce que tous ont dépassé mon rebelle. C'est ni azo recruté par tout en cascade. Mais que le ministère intérieur, bas fonctionnaire basali, où on ne peut pas lancer des recrutements en masse, to économiser mon voilà pour tout ça, il a un bon moment. Plus d'un milliard 200 millions de dollars. Oui, en développement. Oui, Kendaka.
Oui, en termes de développement, pour notre université, il nous faut entre 10 et 20 millions de dollars. Mais tout le monde dépasse ma bonne et pour notre élection. L'élection, ils ont même la vie sur l'IWA. Ils ont même la vie sur la crise, il y a la légitimité. Est-ce que c'est possible? Mais c'est possible. Mais c'est possible. Moi, je suis technicien de droit. Le vrai problème, c'est quoi? Mais le débat, c'est le changement de la constitution. Vous ne pouvez pas supprimer la CENI en révisant la constitution. C'est un schéma. Et ça a sens. Il faut par contre faire une nouvelle constitution dans laquelle. Pour donc favoriser justement la suppression. Donc, il y a aux Alawana, comme ça s'est fait sur d'autres siècles, il ne vient que constater. C'est l'administration qui fait. Il y a aux Alawana d'instruction au PSAT. Aux Alawana, on a constaté que tel a gagné, tel a gagné. Tu as expérimenté 4 législatives. Tu as mis confiance aux athées, les résidents Malungé athées. Essayons d'abord avec le ministère intérieur. Merci beaucoup. Donc, on a dernier, les choses peuvent évoluer. Probablement, tu auras la solution. Merci beaucoup, maître Yannick Vumbi, maître Jean-Pi. Galoula, est-ce de même avis que Ndikouyanik Vumbi, tout basculé par le ministère de l'Intérieur pour organiser ma ponami, est-ce que Eko garantit le confiance aussi de Gomonin, de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, et puis Aza Noptique pour une organisation internationale et aussi d'organiser ma ponami. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Toutika Seni a organisé à ma ponami, tout on peut basculer dans le ministère intérieur? Merci Nayo Mwanamboka. Je vais rester totalement scientifique et également politique à cette question. Na mokonzo yayo. Ya mbona koyano la batomi balé na mbango makasi moto aliboso na koyano les alim vumbi pona koloba naye ete ata mokolo moko te ata étoile ya likolo ya constitution ya jaune tomeka komona bino bolongoli ya ngote. Ataka mo étoile mo il y a jaune, il y a la couleur constitution. Bon, mais caté, Kolongola. Pambate, Boto, ça et l'autre côté. Vous allez rappeler à la constitution, à ta préambule la constitution, vous allez rappeler à la constitution. Donc, désolé, avec cette idée que vous venez avec sans Vumbi, il y a qu'on change la constitution, la Kebisio, et ça l'embalano à Souka. Donc, favoriser, Non. Ça énerve cette question. La République démocratique du Congo et surtout notre population. Lui sait comment tout télémela changement de constitution, l'élo à gocha le kolokunate. N'a qu'on répondre à mon ami Balé Ezali, le sénateur Nabiso Matata Mponyo, pour nous dire que l'élection est parmi les attributs de la souveraineté d'un État. Bakoko Pesango, naba agence étrangère, te, naba nini, non. C'est parmi les attributs de la souveraineté d'un État. Donc, on ne peut pas céder à cela. Donc, déjà là, à raisonner, ma bé. Mais la vraie question est que, mais là aussi, il y a un problème. Le plus grand problème, c'est que Okoye Baete, ministère intérieur, est parmi les ministères régaliens du chef de l'État. Et donc, ceux qui sont dans le ministère intérieur, ils ne sont pas le chef de l'État. Ou dans la fonction. Donc, le ministre travaille indépendamment dans l'administration. Je vous ai dit que le ministère de l'Intérieur est parmi les ministères régaliens du chef de l'État. Non. C'est le ministère que nous parlons. Ces ministères, c'est le ministère régalien du chef. Donc, c'est-à-dire, parmi les ministères, il y a chef de l'État, il y a Moko. Donc, vous avez la confiance en vous. En tout cas, si je suis Moko, le Moko, il va passer. Et puis, dans quel pays? Est-ce que c'est dans notre pays ici? Où on crée les panthères noires, les panthères noires tuent. Échec total. Alors, et que si je suis Moko, mais je suis pour que Bameka tombe comme le là.
tolongo la institution budgétivore. Mais pas la CENI. Le problème avec le Congo, ce n'est pas des textes, ce ne sont pas des changements. Le Congo, justement, l'institution budgétivore, voilà, ça nous renvoie directement. Le changement ou révision constitutionnelle. Non. Je vous ai dit, je suis pour qu'on puisse pomper en lever. Changer la question. Non, ça n'osez pas. Je suis pour qu'on puisse enlever. On peut supprimer. On peut réviser. Vous êtes avocat. Mais nous ne sommes pas. Mais dites-lui de se calmer. Je suis très poli. Donc, je disais que. Si on peut changer la constitution, si on peut revoir la constitution, ce n'est pas avec l'IDPS. Il y a un peu de temps, attaque à moi et toi, nous sommes 15 à la raison, le colla papier à constitution, et mes capolongoate. Pourquoi je l'ai dit? Ce qui est sûr, Maxime, le problème n'est pas la CENI. Le problème, ce sont les animateurs de la CENI. Vous avez vu comment la Cour constitutionnelle s'est comportée. Est-ce que le problème c'est la CENI, le non-CENI, ou le problème c'est les animateurs de la CENI? Quand Kadima avait déployé ma matériel, attendez, lorsque Kadima a machine, il y a vote. Dans l'entretemps, il y a un bureau de vote, il y a un pire master naïe. Est-ce que ça c'est un problème de la CENI? Lorsque Mazo Kanga, papa, c'est lui-même, il y a ce peu. Je suis accordé 3 minutes, 5 minutes, 3 secondes. Donc accordé. Donc Cédric Ndombe favorable que Lilo Maponamise a basculé vers le ministère de l'Intérieur. Bon, donc Maxime, na lingi pe ko associé voix nanga na ba ko débatteur ou bazali ko condamné ba propos irrationnel. Oui, outi bongo na pari à premier ministre à Kala. Popo wane kokaki ko bima na batonyo somme na monoko ya premier ministre à Kala te. Au-delà ya ba querelle politique na biso toza nango, tokoki ko te kamboka te. Ndenge de kwa lobi, élection ça fait partie ya souveraineté exclusive ya mboka. Donc ndeko matata mais qu'un peu qu'on revoir stratégie na que je trouve un peu vraiment qui n'a pas de peine pour la République démocratique du Congo. Et puis Dédé, na landi na boke bindeko oaza na loboko nanga mwasi, ameke un peu poser diagnostiquement très sérieux. Les élections, ça nous coûte des millions de dollars, des milliards de dollars. Suite au landi, tous les 4 cycles électoraux to sali, toko avoisinant à peu près na 6 milliards, 7 milliards de dollars, oazali jeté sans pour autant avoir des résultats palpables. Est-ce que, bisoba non aligné, tomito na raba question, moko ya moutou ya makas. Est-ce qu'il y a un lien entre les élections et le développement d'un pays? Est-ce que les élections, c'est ou bien la démocratie, c'est un régime au bisoba africain, il faut tout pérenniser, faut tout louka, substitution ou sous un copain sa bisoba africain, régime politique moko propre. Non, on peut se exemple. Dans le d'abord, le montant qui a été utilisé pour les élections, plus de 7 milliards de dollars. Pour quel résultat? D'abord, l'élection n'y a pas de salement dans Mboka, au combat de 2006, style et loi 2018. 2006, style et loi 2012. Donc, c'est la 2028. N'a habité Nani Andima Oyo Azala proclamé vainqueur. Contestation sur contestation. Il y a des contestations. Élection, au lieu de la havre de paix, au lieu de la facteur d'unité, et comme facteur de division, facteur de déstabilisation, facteur de Babilo, que belé. Alors, en tant que politologue, Bissot, Tomeka, un peu qu'on pousse à Maël et Moussika. Est-ce que l'Afrique mérite-t-elle un régime importé? Une acculturation qui ne cadre pas avec nos valeurs? Ça, ce sont des questions que Bisson à Congo. Faut non, nous avons un régime importé. Non, nous avons un régime importé à Moso Mona Capre. C'est adapté. Bibembe Bazoya. C'est adapté ma contexte. Mais dis-moi, oui. Les élections, la démocratie, les Bisson d'institution, Sénat, Sindage, Nini. Mais c'est quoi son impact sur terrain? Il n'y a rien. Là, c'est ça. Parle Sénat, Sindage, Séni. Le Conseil économique et social, qu'est-ce que ça porte à l'égard des Congolais? Est-ce que feedback, il y a une institution, on le ressent? Ou bien c'est une manière de pérenniser l'oligarchie que nous voyons maintenant? La monarchie que nous voyons maintenant? Les mêmes figures, bah, yabike, la constitution, la biso tout ça, là, to kabola, kabola, moutina, moutina, loupangou, il y a qu'on voit maintenant. Malamouté. Et ça qui te coûte. Quand je veux, il y a partage.
Donc la constitution a été taillée sur mesure pour un partage éternel. Aussi longtemps que tu redemeurais qu'à la constitution importée, photocopiée par les autres, dans un sens, ça va s'héritier avec nos valeurs traditionnelles, politiques. Est-ce que il faudra voir comment revenir peut-être le ministère intérieur. Parce que confiance paix, hein, au regard, il y a bipolarisation à la classe politique, Nabisso. Est-ce qu'aujourd'hui, si le ministère de l'Intérieur arrivait à organiser Maponami, est-ce que confiance vous a la mine Interrogeons un peu la genèse de cette constitution. La constitution des protagonistes, il y a belligérant en 2006, et c'est un maquis pour un seul facteur, il y a qu'on crée confiance. Il y a qu'on départage par politicien égoïste congolais. Goïgoï est un agina congolais, talaki que ceux qui m'a fait ce ministère intérieur, tout va bon. Il faut créer un organe indépendant, où il y a un kaboula, petit, il y a un politicien. Mais d'accord, petit, un politicien, il y a un peuple. C'est pas pour la population. Alors, tout est qu'on remarque, et l'autre va me qui a saigné Wana et s'imité. Parce qu'il y avait la division avant la 2006. Mais aujourd'hui, voilà un peu, total un peu la situation politique du pays. Il n'y a pas d'unité dans le pays. Il n'y a pas la confiance entre les acteurs politiques. Mais vous voulez maintenant, vous voulez aller sous élection, un organe qui est en train de faire des politiciens. Nous avons un de Peter Kazadi. Oui, oui. Besoin de Peter Kazadi. En raison de passer à ça la élection. Peter Kazadi. Besoin de montrer que l'élection en haut, il y a d'abord Salima et qu'on crée sous mort d'homme même temps de choses. Je te donne l'exemple d'une politique qu'on parle. Est-ce que tu as un Kazadi? Non. Je vais citer Wana. Oui. Nous avons une classe politique congolaise. Classe scientifique congolaise. Tout va dans ton raisonnement. Quel régime politique pour l'Afrique? Pourquoi? La Chine. C'est un pays développé. Est-ce que tu vas me dire qu'il passe par les élections pour dirigeant? Il passe par le parti communiste chinois. On ne va pas produire la population, la classe des élites, la classe des dirigeants. Est-ce que la Chine, c'est un pays sous-développé? C'est parce qu'ils ont compris que la valeur n'a pas donc on importe la valeur à la Ningate, eux qui ont divisé le peuple, eux qui ont créé ce clivage. Élection n'a pas c'est le clivage. Est ouest. On n'a pas attendu ça dans ces pays. Merci beaucoup. Alors, on doit remodeler le système politique pour trouver sa population congolaise, régime original, adapté, propre aux valeurs africaines. Merci beaucoup, Ndeko Cédric Ndombe. De quoi parler Mumba? Nous avons commencé à mis sur ce débat sur la CENI, ministère intérieur, 2028 approche, tout Diembe la Wabi. Merci beaucoup, Ndeko Maxime. Au plus, il y a combien de minutes? 5 minutes comme tout le monde. Ok, il y en a 53. Il y en a 58. Alors, je pense que dans la suite, il y a une minute au plus, il y a tout le temps dans le régime en place, tout le pouvoir en place, il y a qu'à analyser ma proposition. Il y a un mois passé, il y a un mois passé, il y a une déclaration politique, et tout le pouvoir en place, c'est tant. Et dans le temps, il y a un mois, cette fois-ci, il y a un mois. Il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, comme proposition. Et tout le monde a dit, il y a un mois, 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 il y a un il y a un déco, il y a affaires étrangères, Nani, Lutundula, et collègue de la défense, à Manel Koukende. Mais cette fois-ci, à Tindaki, Peter Kazadi, chef de délégation, il y a un coupé sa proposition, il y a Sika, à niveau, il y a l'Orezo, il y a été, mais quand il y a une neutralisation, il y a FDLR, ça nous concerne, pas ça concerne la communauté internationale, parce que Bangonde, Bakotsaki Bango, Namboka Nabiso, souvenez-vous de l'opération Tiriquoise, il y a 1994. Ma proposition, c'est la communauté internationale. Et dans le cadre de la liste, c'est bien mentionné dans le dialogue régional. Parce que c'est prévu dans le cadre de la liste. La communauté internationale a démocratisé le pays, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et tout ça. Les rebelles n'ont pas la canatia, FLR, ADF et tout ça. Bref, il y a un lobby été, et cette fois-ci, quand la délégation a été, nous sommes pour le dialogue entre les Congolais et non avec les Rwandais du M23. Voilà, c'est la parenthèse. Parce que si tu as la télévision, tu as la vidéo quoi 6K. Tu as savoir dit tété. La question d'ailleurs, où tu connais concernant, bien de vous, comme on a mis sous Nini,
proposition, il y a changement, il y a. Il y a Seni, hein. Oui. Élection, il y a Toujours pour nous, il y a Toi, tu as 2028, toi, tu as la Seni, toi, tu as basculé vers le ministère de l'Intérieur. Tout le monde a un ami sur les politiciens, parce que nous sommes des acteurs politiques. Je pense que tant que Basalaki n'a son city, tout le monde a son ennemi, Seni et c'est Kreyamaki. Compte tenu, il y a climat, il y a méfiance, et Zalaki n'a pas acteur politique, que ceux qui ont dit que le gouvernement a organisé l'élection et recommande la tendance. Il y a un Kreyaki, structure, Babengi, Seni et Zali, institution d'appui à la démocratie. Certes, Basali et Lokouana, Bissou Bandakala, tout Bandai Kola qui ça était, que Nenge Seni Wana, ils ont fonctionné dans l'élection, c'est Salemi Ao. Ils ont toujours dans la tendance. Parce que ceux qui, normalement, ils ont qui, et Pesamaki, ils ont dit Seni Wana, c'est l'esprit, il y a un corps global inclusif, dans la société civile. Mais tu es comme moi dans la société civile, et comment on a la tendance? Tendance à pouvoir, la tendance à opposition. Déplace ma Kambébéba. Alors, et comment c'est que société civile? Nous avons mis la combien de sociétés civiles au hasard des politiciens. Donc, il faut comprendre que nous sommes des politiciens. Il y a un moment qui est une autre république. Là, il y a du même société civile à politiciens. Banda, il y a des élections et Salema. Et Salema, il y a 2006, et Salemi, il y a 2011, et Salemi, il y a 2018, et Salemi, et tout ça, c'est des Gisarakaka comme étant société civile. Mais oh, ce sont des politiciens. Bah, Moussoussou, bah, membre de la partie politique. Donc, tu l'as dit, Bisso et Lokwana Banda Kala, tu m'as dénoncé, Yango, tu m'as dénoncé, Baba Ndeko Yoke la Bissoté. Mais, qu'on change Yango, oui, et quoi que vous avez pu guider, madame, mais qu'on s'allume comment? C'est là le nœud du problème. Qu'on change Yango, Bisso, tu s'allume proposition. Naka te dialogue, au Bisso, tu sengaka. Ça m'engage. Naka te dialogue, au Bisso, tu sengaka. Oui, oui. Naka te accord cadre, la liste, il y a une grande réforme. La quatrième réforme, était la réforme structurelle des institutions. Or, parmi les institutions à réformer, la CNIP à Zanakati. Donc, tout un peu à côté, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par l'histoire dans le discours de républicain. Lélo, maintenant, c'est pas comme il ne fallait pas remplacer Yango, Bassal Yango Boye. Mais oui, ton nom est là, les gens qui accordent 4 d'Addis Abeba. C'est bien mentionné, c'est la mauvaise foi, il y a un Congolais, Yango et Salah a été, ma Camerounaise a appliqué. Mais, mieux vaut tard que jamais, Bissot de l'Obi était. Le vrai changement, il y a CENI, il y a institution d'appui à la démocratie, et que ça, les dans un dialogue, parce qu'ils ont éloqué à Moutimo Koto. Dans un dialogue. Et ça, éloqué, il y a un Congolais. Merci. Donc la classe politique devait se réunir pour s'attirer à l'éloqué. Question pour qu'il y en a échappé. Il y a un changement, il y a constitution. Non, boutique n'a plus le changement et constitution, pas maintenant. Merci. Total, il y a un qui vient d'abord à l'est du pays. Avant de recouter ma caméthalie, merci beaucoup, Ndeko Paulin Amumba. Cette fois-ci, vous avez trois minutes. Maître Yannick Vumbi, est-ce qu'il faut déjà amorcer un processus justement pour un régime comme l'a souhaité Ndeko Cédric Ndombe, un régime adapté? Ceux qui attaquent Eko Salama, n'a pas sauté, n'a pas moïté, mais n'a pas sauté, il y a un peu d'exemple aujourd'hui. Peut-être avec la Chine, comment va produire ba élite pour nous diriger le pays? Est-ce qu'il faudrait déjà amorcer ne fût-ce qu'un processus? Parce que jour et koya, venir au koya, ce que la bus sauté, la bus été négé à pour diriger Mboka. Bon, cher ami, merci pour la matuna. De toutes les façons, je respecte l'avis à Cédric, c'est un avis respectable. J'essaie de comprendre les scientifiques qui ont corrigé. Mais là où je ne comprends pas, ils ont mis Baléo. Non, vous regardez, Bazar quand même, d'accord, le principe, il y a six pressions, enseignées et acquis. Mais, hier, je comprends quand même à ta tempore, parce qu'il n'a pas fait les droits, il ne peut pas comprendre certaines choses. Alors, Bandenga Lobby, il est contre la révision constitutionnelle, il est contre les changements de la constitution, mais il est pour la suppression de la CENI. Mais, mon ami avocat, il ne peut pas dire ça. Si vous êtes pour la suppression de la CENI, mais on le fait comment? Ça, c'est la question la plus simple, comme juriste pourrait vous répondre. Mais quand tu dis, Nazar, pour ça, il y a changement conscienté, Nazar, pour ça, changement conscienté, vous proposez quoi? Vous proposez le côté, vous arabes, vous avez un changement, et vous êtes d'avis avec nous, qu'ils ont la institution, ils ont budgétivement. Et que moi, on a le tchara dans l'institution, ceux qui t'ont supprimé l'institution,
d'orienter mon wana dans le secteur de développement, pêche, agriculture, élevage, construction de routes. Cher ami, dans 15 ans, on peut déjà estimer combien de mboka on a émergence. C'est possible. Parce que nous avons besoin de bon et belle dans l'institution budgétaire. L'institution est le Sénat. Une institution de seconde zone. Et quand vous avez comme vous avez été. Déjà, ceux qui ont la loi, ceux qui ont la loi, et qui est l'Assemblée nationale, c'est le point de la vie de l'Assemblée nationale qui prime. Et quand vous avez vous avez été. Mais vous avez combien de dépenses? J'ai fait un travail. Non, le bon, peut-être que dans l'émission, nous avons élaboré l'institution, le conseil économique social, CENI, Sénat, la primatie, l'institution, nous avons attendu que nous avons un bon dépenses dans 5 ans. Mais tu ne vois pas un bon pour rien. Il faut réfléchir. Mettons autour d'une question, par exemple, à régime politique. Moi, j'ai fait une proposition, sur qu'il y a un régime politique, régime présidentiel, qui est vraiment adapté à nos réalités. Mais lui, il soulève un problème. Place n'a pas fait d'accord, on a dit à la Chine, c'est moi qui n'ont pas le même régime que nous. Ils ont un régime présidentiel en réalité. Oui, en Chine, ils ont un régime présidentiel. Bah, vote à député, et ce sont les députés qui votent. Président, le président Xi Jinping venait d'être élu récemment, après, il y a 7 ans. C'est le parti communiste chinois qui donne les élites à la Chine. Non, ils organisent les élections. Ils organisent les élections. Les élections au sein du parti. Ils ont... Je dis bien. Il n'y a pas seulement le parti communiste en Chine. Il y a plusieurs partis, mais le parti communiste est un parti où il y a la majorité. Ils organisent les élections. Donc, il y a un régime politique. Et on a le bas qui, moi je ne peux même pas manquer. Mon commission président de la République de l'Ingatia pour un bateau va changer pour réfléchir sur la nouvelle constitution. Moi je ne peux pas manquer. Si j'ai déjà des éléments, je vois sur le terrain, je ne peux pas me dire. Même il craint de la constitution comme une évidence. Mais elle s'impose d'ailleurs. Cette constitution, elle n'est pas adaptée à nos réalités. C'est un élément de blocage, cette constitution au monde en haut. D'abord, Ezaki, il faut qu'on ait le contexte de Tchelaki en haut. Partout où je passe, les gens me disent, mais Maître Bonibo, changer conscience, vous voyez qu'il constitue les cas d'un référendum. D'accord, vous avez raison, mais je pose un autre problème. À l'époque, moi, j'étais déjà en G1. Quel est ce Congolais sérieux qui a dit, tant qu'il y a une constitution, un référendum, lui, il a lu, attend à comprendre, après ça, qui oui. Par contre, c'était des messages mensongers. Bah, pour voter constitution, ils ont fait la guerre. Pour voter constitution, on peut s'amener au message là. C'était comme ça que tout le monde avait voté. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de tenir les années à 4. Conséquence, ton côté n'a pas ignorance. Depuis ton vote constitutionnel, tu n'as pas. Est-ce que développement, hein? Est-ce que la guerre est ici là? Est-ce que Missal est merci beaucoup. Non, laissez-moi chuter. Vous avez fait ça en tant que. Vous avez fait ça en tant que. Vous avez fait ça en tant que. Maître Jean-Pierre Galou là. Est-ce qu'il faudrait un régime aujourd'hui adapté à un problème congolais ou il faut déjà un processus à l'amorcer? Nazomo na été na Congo, soit Bichoto Komi Bachor, ou soit nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous sommes réellement au Congo. Pandeko, ndeko nanga imvumbi akose lingana no likambo, alobi gengana alobi. Bah, supprimer CENI, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si on va supprimer, c'est pour remplacer à quoi? Rien du tout. J'ai dit, je suis pour supprimer les institutions, n'est-ce pas, budgétivores. Je n'ai pas parlé de la CENI. Je suis pour d'ailleurs que ma député va prendre le foot et ma part jeton. C'est-à-dire, ceux qui plénièrent et ont participé, ma noté, ma calculé $200, on vous donne à la fin du mois. Je suis pour des réformes. Mais je ne suis pas pour le changement de la constitution. Ça n'osait pas, Ndeko Nangai. N'osait même pas qu'on réfléchisse à quel autre qu'on a été. Félix, c'est que de la Kokocha commission en place. Kokocha commission en place, ça comme il y a là-bas problème. Et n'osait même pas. Alors, mais toi, qu'on est dans un régime présidentiel, pourquoi le faire? On est déjà dans un régime présidentiel par le système de l'IDPS. Ah, vous dites c'est faux. Mais tous ces gens ici qui sont nommés. Logiquement parlant, dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime présidentiel de fait. De fait. Oui, oui. C'est-à-dire quoi? Tous ces candidats qui sont passés pour l'Assemblée nationale, c'est le chef de l'État qui a choisi. Oh. Tous les ministres, nous sommes Mboko, c'est le saint Tshisekedi. C'est ça le régime présidentiel. Tshisekedi, c'est un grand saint.
C'est ça le régime présidentiel. Le régime présidentiel pour eux, c'est-à-dire que la constitution est bloquée en tout cas dans le régime présidentiel. Alors, les députés, ils sont sacrés, ils sont obligés de investir le gouvernement. C'est un problème de Dieu d'ici le. Ah, papa, il dit que c'est un bon. Je te dis bien, c'est un bon. Tu es au lien à minute. Lorsque le gouvernement est où, mais la Kobima, il y a un poste. Lorsque chef de l'État Bossani Maniema, c'est le gouvernement, la constitution qui bloque. Lorsque Graba Nundobimina ministère Kakamoko, c'est la constitution qui bloque. Lorsque Kouré Zatetalan de Walate Lamba chiffonné. Est-ce que c'est le gouvernement qui bloque? C'est la constitution qui bloque. Merci. Lorsque Maï Zate, lorsque Badola Zomata, est-ce que tu as un problème? Il y a vraiment la constitution. Non, le problème qui est ici, nous avons un régime des incompétents, des voleurs, des frappeurs, famille. Si nous venons au travail. Oui, mais vous avez déjà fait Kabila était très intéressant, ce monsieur. Vous savez pourquoi? Kabila était très intéressant. Oui. Pourquoi Kabila? Kabila a regardé un certain moment, il s'est dit, non, pour le moment, je dois au moins même débaucher. Kabila, écoutez, non, ici, je dois appeler quand même le dialogue. Non, mais si le débauchage peut aboutir, je suis pour. Merci beaucoup. Attends, je te dis. Kabila, appelez même le dialogue. Kabila, appelez, consultez la population. Bah, où est-ce que tu la consultation présidentielle, où est-ce que ambition, la banque, comme un blocage à la constitution. Attends, quand moi, toi, Louana, la vie, si vous voulez, vous mettez à merci. Donc, Cédric Ndombe, est-ce que nous allons pour la classe politique, il y a un mot qu'à la mission. Est-ce que vous allez vraiment prête, il y a pour s'élancer dans processus pour un changement, pour une nouvelle donne? Ou bien classe politique n'est pas préparé, on n'a pas encore une classe politique, c'est qui est sûr. Il y a un combat on a fait entre nous les jeunes, l'élite, on raisonne, on réfléchit pour notre pays. Parce que ceux qui ont telle composition à classe politique, ce sont de mêmes personnes. Ce sont de mêmes figures. Au biso banon aligné to bengaka, oligarchie démocratisée. Donc ce sont des mêmes personnes. Oh bah vandina ngwende, bazako kosaka bisoka sur les formes des histoires. Alors, la classe politique que nous devons changer, est-ce que cela doit passer nécessairement par le changement de la Constitution? Je dis non. Je dis non, pourquoi? C'est la Constitution elle-même, elle est flexible. Constitution est flexible. La Constitution laisse le moyen, dans le cadre de sa Constitution, il y a propre amendement. Par exemple, il y a des institutions budgétivores. Oui. Il y a qu'on change le mode, par exemple, avec scrutin sénateur, il y a gouverneur. Parce qu'apparemment, ils ont consacré corruption à ciel ouvert. C'est pas le problème de la Constitution. Moi, je pense qu'il faut amendement à la Constitution. Il faut réviser certains articles qui rendent rigide fonctionnement du pays. Et puis, ceux qui sont dans un régime présidentiel, semi-présidentiel, où j'en passe. Non, mais qu'on en a. Le problème est que tous les régimes politiques que nous devons avoir, même la dictature, si vous avez un régime dictatorial où le peuple est au centre de leur action, mais je te dis, nous sommes des Africains. Oui, oui. Faut qu'on y va. Mon régime dictatorial. Nous sommes pouvoir et Zalakaya Nzambe, et puis, et Zalakaya Nzambe. Le pouvoir est pour le peuple. Dis-moi, dans un régime dictatorial où l'intérêt général est à promis, où l'intérêt peuple est à respecter, et dans un régime démocratique où le peuple est billeté, peuple, il doit être comme formalisme. Mais comment tu peux appeler les régimes dictatoriels et les peuples sales? Malembe, s'il te plaît. C'est une confusion, cher. Malembe. Politologue que tu es, tu fais dire ça. S'il te plaît. Malembe. Un régime dictatorial avec le peuple au milieu. Malembe. Donc, on doit dire Kokomaka. Vous comprenez? On doit. Tu pousses à Kamaël et Moussika. Tout ce qui est à Kamaël était, Naoro Batangi Sabiso. Naoro Balaki Sabiso. Tout ça, là-bas, le régime est belé. Tu ne veux pas me dire, au Nord-Corée, faisons un peu la politique comparée. Il y a plusieurs États au monde qui n'ont pas opté pour les systèmes diplomatiques. Est-ce que l'intérêt général les a compromis? Et puis, qui t'a dit que le régime dictatorial, c'est le sacrifice de tout un peuple? On est en train de voir quel régime, où il y a la solution, il y a un problème congolais. Comme pour nous, les non-alignés, changement de constitution, c'est pas vraiment primordial.
Exact, il faut amender certains articles. Donc, révision constitutionnelle, favorable à la révision. On doit réviser la Constitution. Merci beaucoup, Ndeko Cédric Ndombe, Ndeko Paulin. Mumba, nous avons mis mon tour. C'est le bienvenu, hein. Bon. Est-ce que la classe politique, est-ce que la classe politique actuelle Azali a même s'est lancé pour une nouvelle donne, pour un changement désidératel, besoin accru aujourd'hui à la population? Merci beaucoup Namutuna Nayo. Notre parti qui est dirigé par Mwanamboka Norbert Luye et Binzunga, que je salue, et prenant toujours un renouvellement de la classe politique. Mais certains politicien. Non. Ça, c'est un problème interne. Ce qu'on a dit, débat. Lukato, Lukakadre, monsieur. Moi, j'ai dit que c'est la vie. Mais les points, les. Donc, Ndeko Maxime, ton militaire a toujours un renouvellement de la classe politique. Mais certains résistants politiques vont faire croire que pour la cause de renouvellement de la classe politique, il faut passer nécessairement par des élections. Au Yobisonios, tu décris après cycle électoral, élections chaotiques. Oui, salut, Malamouté. Hier, le feu cardinal Monseigneur Bopé à son âme disait ceci, que les médiocres doivent dégager. Bah, oh, il y a la compréhension à mon coup, c'est Bakalissa qui. Je viens. Bah, oh, il y a la compréhension à mon coup, c'est Bakalissa qui que le feu cardinal faisait allusion seulement à Joseph Kabila. Non. C'était une classe. Abanay consacre que les médiocres dégagés. Or, bah médiocre, oh yo, le cardinal, le feu cardinal, mon Seigneur, abanay consacre allusion. Jusqu'aujourd'hui, bah on continue qu'on dicte bisomibé qu'on a bango. Alors, c'est nous les jeunes, nous devons prendre conscience parce que lelo, bah médiocre, wana lelo, bah on peut sanctionner biso indirectement. Lelo de ko Félix, au lieu parce que bisomibé tout le monde a dit ah, moi n'embo quand de ko Chilombo aye na pouvoir, c'est que mon peuple asika, moi n'a de faire opposer mon aîné. Peut-être que vous avez un sika. Il y a un recours. Il y a un médiocre qui a travaillé dans le Bango. Tout le monde dit, oh, où allons-nous au Congo? C'est que le Colaponi qui a travaillé dans le Kimabe, c'est que Yemoko Plaza Mouté Mabe. Des places, tout le monde qui était renouvellement de classe politique avec ces gens-là, écoutez à la Koyate. Et c'est que la conscience, il y a chaque individu, surtout nous les jeunes, nous devons nous ressaisir que le Congo nous appartient. L'obi Nabiso, et c'est que les Totaïens, c'est la Moussousou. Parce que, tous ont continué à soutenir le caca. Ben, médiocre, ouana. T'as le H va comme il en gros. Je cite exemple, citoyen Mbosso. Oh, y'a boyé comme un monsieur. A t'y gala citoyen. Alors, nous, tu le vois, Mbosso. Moi, la tanga est la classe, l'école primaire. La tanga est l'école primaire, que Mbosso, fille et danseur. Y'a mon bout, parce que Valérie, y'a mon bout à l'époque et tout ça. À l'époque, y'a mon pape. Toi, y'a du mango. Ministre, tout ça, beaucoup de choses. Ma caméra, jusqu'aujourd'hui, Ganaye, tu sais quoi, là, qui me conduit. Allez-y, comprendre. T'as l'âge, mais tout à fait, c'est ça mon objectif. Alors, Bissoba, j'aime le netto sociola. L'heure nous est donnée aujourd'hui, il y a qu'on réfléchir. Des places, nous avons des brigades, le bac était. Il faut recadrer certaines choses. Pour la recadrer, en gros, tu vends autour d'une table. On les a embêtés. Parce que, bah, Congolais, les lots. Au moins, il y a 100 cités. La terre a une minute. Le dialogue inter-congolais. Dans le Bakana, il y a un accord global avec les Congolais. Tant que vous avez un accord global inclusif pour le Bakaboye. Tant que vous avez il faut réconciliation nationale et quoi que ce soit. Mais jusqu'aujourd'hui, réconciliation nationale avec les Congolais et ça les Bakatiers. Heureusement que l'accord cadre est. Réconciliation nationale. C'est l'accord cadre bien au monde. Tous les Congolais doivent se réconcilier. Merci beaucoup, tout le temps, à ma message. S'il vous plaît, Malem, tout à l'heure, un message, vu que Angela Standard, bonjour, rendez-vous. Je souhaite un très joyeux anniversaire au Raïs Joseph Kabila, le fédérateur, l'unique sénateur à vie de mon pays, père de l'alternance, le seul qui a collaboré avec toute la classe politique, sauf avec Tata Martin et Tata Franck. Fontaine Longangé, depuis Mongafula. Bonjour Ndeko Maxime, Fabrice Makabu depuis Guissin, sous changer la constitution n'est pas mauvais, mais ils veulent changer quoi? C'est là qu'ils refusent de changer, ils refusent quoi? Pour moi, si l'IDPS veut changer la constitution, il faut que Jean-Pierre Bemba soit le ministre de l'Intérieur à vie, parce que Bemba a la confiance des 90% des Congolais.
Deco Fabrice Makabu. Bonjour MM Mwanabatu Akenda Wapi. Azongi Lissousou. Merci Deco. Courage José depuis Badiadingi. Deco Cédric Ndombe Azongi. Bonjour Deco Maxime Batubalingi. Tout changer conscient pour Ba Banda. Ko nommé Ba non originaire dans Ba territoire. Aussi longtemps que Ba Oyo. Ba Salaki. Ba Salaki nommé dernièrement sans. Pour 100 IDPS, Lelo Baza PET, 100 gens aimés depuis Ngaliema. Bonjour Ndeko Maxime, journaliste du peuple. Eza Ndeko Badge Israël Danjili, et Loko Nako Yako Kamwa Bilongi Oyo Yakala, Ezo Zonga Ponanini, Bajen Moyen Basala, Ezalite Bango Batu, Bakoki Ko Travaille na régime Nyonso. Donc, alors, bonjour Deco Maxime, problème Nabisso et Zande, il y a manque, il y a série, il y a Bisso ba Congolais. Dans les contextes actuels, il faut tout le Kananou, Kokoma, un peuple, car apparemment nous ne sommes pas encore dignes d'être appelés peuple. Merci beaucoup, Gracia Mbemba depuis Massina. Bonjour Deco Maxime, c'est Espoir Massamba, ceux qui bazo loba, ba lobaka na combo, il y a population Nyon Sauté. Bissonion Sotozo, partagé même invité. Awana RDC Ata Jésus-Christ Aye, au salis à l'élection, Moutou Oyo Akopola Akondi Makakate, et Zandengi Aba Congolais. Maître Yannick Vumbi Aye, que la révision constitutionnelle est prévue dans la Constitution, mais qu'est-ce que lui dit sur l'article 220? Nous savons déjà que l'Union sacrée mouille le maillot, rien que pour éterniser Félix Tshisekedi à la tête du pays. Bonjour Maxime, dites à Vumbi de cesser avec ce discours des changements de la Constitution, sinon il va énerver Banaki Senso. Ti voix dit André depuis Senso. Bonjour Deco Maxime, bah élection et qui est de la ministère y a intérieur pour Basango. Pour ba sango pour na ba sango ba longwa na politique ya Congo peuple topé sa opposition mbokate papa matondo depuis monga fula. Bonjour MM, je pense que pour la CENI il faut qu'elle soit dépolitisée, c'est-à-dire que confions toute la direction dirigeante de la CENI aux confessions religieuses. Mmh. On ne peut pas changer la constitution, c'est mais ça, on peut toucher à quelques articles. Honorable Bakonga à qui nous écrit, voilà. Bonjour Ndeko Maxime, nous agents et fonctionnaires de l'État, tous allés causer la investiture et au gouvernement, j'ai dit que nous soutenons à 100%, ainsi que notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, du soutien spécial au FARDCE Ouazalendo, Maître Jean-Pi, sachez-le de maintenant que toute personne qui soutient Joseph Kabila est un sorcier. Oh, bon. Merci, c'est Papa Maurice depuis Sanga Mamba. Voilà mon Tokéi rapidement la standard. Allô, bonjour. Saturation. 082-33-33-749. Georges Libengue, tout ça, bah, Imboka, na standard. Ça va, lorsque vous ne parvenez pas, il faut décrocher. Les appels saturation. Voilà, Tozongi, justement, na plateau pour clôturer de Jean-Pi Ngalula. C'est limité, justement, à un message Yabaimboka, parce que Standard est créé. Moi, Kokoso, il était deuxième partie de Rosabino. Et puis, demain, de José Andi, on s'attelait vraiment à Standard pour être Rosabino, vraiment à vive voix, participation à vive voix dans l'émission au message qu'on a déjà mis à chaque matin rendez-vous auditeur. Maître Jean-Pi Ngalula, aussi de Kokabaimboka. Réservez les bangonini. Tirez nini en conclusion, na manso, aussi de Goloba. Tozongi sera mon côté, na oyo baimbo kabalobi, pambate, tu alia pour na bango, mais mingi na ko na mikonza mi balé ma itolobelia wa mokonza no ali boso e ya italagi mae matali likambo na seni, likambo yo ya seni, tokoloba ete seni e ali na problème ete, problème ezali ba animateur ya seni, problème ezali choix oyo kongomani azo sala, problème ezali oyo wanate.
ata toche ango wapi soki tozwika kandeko lokola kadima abimina ministère intérieur liwana liwa buzoba na buzoba. Donc le problème est ali ya conscience ya congolais akolinga mboka na eto ndenge nini likambo ya mibale na ebisi na mvumbi ete kende koyebisa bitakwira na bato ya IDPS bo kende ko reviser to ko changer statut ya IDPS ezana ba problème kili kili kole ka IDPS kasi ba sangana po monoko ekomi ko bimeza monoko na IDPS ba kende ko sangana statut ya IDPS ezana bo soto ko sangana te kole ka constitution bo kende na yango tala lelo IDPS ba autorité ba komi kili kili na Congo président de la République akobenga ba député Kabuya pe akokamata bengi ba député na tour na ye ko salakana bango ba réunion to komi na ba assemblée nationale kili kili ya kobenga zo pesa ba médaille d'or. Le problème toza na ngona mboka na biso ba to ba lingi mboka te ba ye ba boma mboka na biso na sengi conscience populaire ya ba yimboka les révolutionnaires botika mboka e kende te botele mato sala échec na bato bazo tambwisa mboka malamu te. Merci beaucoup ndeko Cédric Ndombe. Ouais, biso banon na ligne position na biso est allé clair l'élection ouais ndeko ozaka jeté pour la ligne tu ne non aligné où les autres alignés vous non aligné oui biso banon aligné ba congolais boye ba ka position na biso malamu malamu ba élection pour na biso ezaka unanimité tout monde a ngoza lokola mbongo baza ko boaka parce que boye bibia l'élection on attend ndenge suka ka mutanzi makamuninga azalité et puis après 4 cycles électoraux to lekinango développement mboka izalité donc to kovanda biso nyoso banon aligné ndé na lobby to ko se ko se prononcer incessamment sur la marche à suivre et puis de deux no senga ka na autorité ba bwa ka misu na bana nord kivu na ba camp de déplacés parce que ba situation inhumaine no baza ko traverser nango c'est pas digne na Congo ya lelo. Ndeko Pole Mumba. Merci beaucoup Ndeko Maxi. Nako zongela eloka koloba ete ndenge Ndeko Peter Kazadia kendaki Angola bakendaki kondima ke bazali pour le dialogue entre Congolais et non dialogue ya ba Rwanda ya M23 biso Union des Républicains de lobby boye. Dialogue oyo sikoyo bake kondima ya modèle nini parce que tout monde ki l'époque ya Joseph Kabila Kabange dialogue oyo salema ki na niveau ya centre ya niveau ya Union africaine. Toye bindenge nini ya kushaki parce que ba mususu balobi ke dialogue ya Union africaine mungu ikoka kite matungule za laki muke pilipile za kitu sa to convoquer mususu ba convoquer o ya Senko ya triste mémoire to mona ki biso nyoso résultat nango et pesa ki Joseph Kabila bonus ya 2 ans supplémentaires o ya biso ba congolais to baki ete et ko iko sale maté yango to segni na bango ete ba pesa biso explication ke dialogue o bango ba yeko ndima kuna ya modèle nini ya o ya Union africaine ya Senko ya triste mémoire. Mais biso te sali proposition que ça le voit oyo te sala ka toujours proposition na biso que il y a accord cadre na Addis Abeba ilobi était la réconciliation de tous les Congolais te vendre autour d'une table na format il y a accord cadre d'Addis Abeba maître Yannick Rumbi bon, bon, alors na biso ba congolais violé la bonne que, question oyo merci Jean-Pierre étalé existence ya mboka photo longo la passion. Que ces derniers temps, les gens n'aiment plus réfléchir, bah, tu vois, comment la facilité dans la réflexion. Et je peux dire aux Congolais avec assurance que les changements de la constitution s'imposent, et c'est pour plusieurs raisons. Bah, ça, là, on a confiance plus d'une fois, on a qu'à détailler ce qu'il faut changer. Et donc, quand j'ai proposé la suppression de certaines institutions, j'ai budget du voir, bah, t'es belé, bah, non, quand t'es m'aventi. Et les autres, tout le monde est d'accord avec moi. Et je continue à dire que CENI, il faut supprimer un mot. Et la seule voie pour supprimer ces institutions, ce n'est pas la révision. La révision, on ne vient pas faire des grandes réformes dans une révision. On fait des petites réformes, mais ça ne change pas fondamentalement l'esprit de la Constitution. Mais c'est par les changements de la Constitution que vous venez avec des grandes réformes et constitutions. Oh, bah ça, on a confiance. Parce que dans un membre équipe, ou un an, je ne peux pas les décevoir. Dans la zone, guillemets, ma casse, dans le coup, on a des bonnes choses, on a des bonnes choses, travailler. Et dans la Constitution, il faut tenir compte, il y a développement en Mboka. Ça n'a pas été adapté à nos réalités. Et je chute pour dire, bah tu es belé dans ça qui interview, moi, bah tu es belé, bah béni, président Bitakwira, pour nous voir, c'est qu'il n'était pas d'accord avec moi, même ça, bah, de bonnes choses. Et tant que ça a ma déclaration, moi je n'engage pas le président Bitakwira. Président Bitakwira, c'est un rôle de Kambounaï à Rolobango. Je l'ai dit ici. L'IDPS n'est pas un parti
ultra dominant dans ce pays. Parce que bah ben le président, certains moments m'ont menacé. Non, insisté à pas qu'elle ne soit pas président Bitakoulou. L'IDPS n'est pas un parti ultra dominant. Elle n'a pas gagné les élections seule pour s'accaparer la poste des régaliens. C'est inacceptable dans un pays où Bisoto Munda, moi Yannick qui te parle. Merci. La salle campagne d'accès avec mes propres frères. L'IDPS certainement. Merci. Mais vous voyez qu'on soit pas poste des régaliens, non, c'était affaires étrangères, finances. Et si Bazoui. C'est impossible. Merci Bazoui. Mais dans le pays, parce que pas le balai que n'a pas retiré. Je ne le retire pas. Merci. Et moi, je suis comme ça. Il y a gagné l'opposition. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs à Canal. Il y a quoi les auditeurs. Il y a 96.8 MHz, Zambia, Fongola qui TV Naé, Atali, rendez-vous les auditeurs. Rendez-vous ici, à Kangi TV Naé, le Wakuta Nézaï, le Soussouté, Bissopé. Aussi, ici, une émission réalisée par Bruno Ndinga, Ndeko Onesjunior, Kassandaz, avec la région de radio. Ndeko Georges Libenge, Marité et Godo, na prise de vie. Alain Kabomo, José Andia. Na web, Doudou Motiri à la production. Je vous retrouve demain pour la Tolobela Mbokanabino. Mbokanabiso au Congo. Na déjà, rendez-vous des auditeurs.